Hey guys, welcome back to the HWBOT World Tour Europe stop, and I'm here with Alexis Orion 24. He is actually one of the guys that did compete in the HWBOT World Series for amateur. So all the guys that didn't knew much about overclocking before and then compete for the first time in their first ever competitions. For the guys that follow us in English, that's gonna be in French for the next few minutes, because actually that's gonna be easier for us to speak in French right here in France at the Gamers Assembly. And I will do a sum up in English for you guys right after we finish this. So from now on, that's gonna be in French for the next 10-15 minutes. Salut à tous, c'est Trofman de CTV. On va parler avec Alexis Orion 24, qui était un des compétiteurs pour la compétition du HWBOT World Series pour amateurs. T'as fini 3e, Alexis, bravo, ouais. Bonjour. Bonsoir. Ouais, bonsoir, c'est sûr, à cette heure-ci là, et comme 10h30, ça commence à faire. C'est ça. Donc tu étais 3e, tu as fini 3e de cette compétition. Ouais, bah. Pour une première fois, c'est bien, c'est déjà sympa. C'est même excellent. Il y avait 68 personnes qui ont essayé de se qualifier. Et ouais. Au final, tu étais dans le top 8. Bah, en fait, il y a quelqu'un qui ne pouvait pas venir. Tu étais dans le top 9 pour venir te faire participer à ça. C'est juste comme ça. C'est quoi ta première impression ou ton premier mot qui te vient à la tête? Ouais, c'est génial. Parce que avant la Gamers Assembly, il n'y avait pas ça. Il y avait de l'OC, mais il n'y avait pas des compètes pour amateurs ou... C'est la première fois qu'il y a des compétitions pour amateurs. On l'a fait la première il y a un mois en Amérique du Nord. Là, on le fait pour ici. C'est pas tout à fait la première. En Indonésie, ils le font déjà depuis l'année passée. Puis en fait, c'est grâce à eux que l'idée est revenue. Puis on a dit, c'est génial. On leur a demandé si on pouvait reprendre le même concept. Ils ont fait OK. Pour remercier les Indonésiens, les gars de Jagat Review qui ont fait ça. Faut redonner à César ce qui appartient à César. On va parler un peu plus de toi. Tu viens d'où? Et t'es venu ici en tant que joueur ou visiteur? Non, visiteur. Je viens de Dordogne, donc à 2h30 de route d'ici. Puis j'aime l'informatique comme beaucoup de gens ici, surtout le overclocking, parce que j'en fais pas mal. Enfin, j'en fais pas mal. Quand j'ai un nouveau proso, évidemment, ben, il y passe. Ok, donc toi, t'étais quelqu'un qui connaissait déjà ben minimum oui, les bases. Oui, parce que j'ai commencé à tweaker le BIOS et tout, mais bon, enfin. Ah ouais, je connaissais certains trucs. Ouais. Ok, c'est pour ça, quand on a vu rentrer dans le jeu, on a fait ok, il y en a, ils y vont vraiment vite là. Puis, Non. Ok, c'est parfait. Tu dis que tu connais le overclocking, mais t'as quoi comme config aujourd'hui? Actuellement, toute la config? Bah, juste au moins le proso. J'ai un 4790K, une Sabertooth Z87, 8Go en 2666, et 780 Ti, enfin. Et donc, ce PC-là, tu l'avais déjà overclocké un petit peu? Ah, il a pris dès le début. Dès le début, il a pris 4.9 sous 1.32, d'accord. Ok, c'est intéressant. Et donc, du coup, t'es arrivé pour amateur en disant, de toute façon, t'avais jamais participé à aucune compétition, enfin, que t'avais le droit de venir pour les amateurs. Voilà. Là, t'es dit, ok, c'est bien, j'ai au moins les bases. Ben ouais. Mais t'as quand même fait le workshop? Le workshop? Ouais, je l'ai fait, mais je savais déjà tout. Je savais tout. Le workshop, il est aussi fait pour les gens qui n'ont vraiment aucune idée. Puis Zeus, c'était ça. Lui, il dit, moi, j'ai entendu parler de l'overclocking, mais j'ai jamais vraiment overclocké. Oui, bien sûr. C'est pas facile pour tout le monde, hein. Quand on ne connaît pas, c'est l'inconnu. Hein. C'est certain. Qu'est-ce que tu as aimé le plus pendant ta compétition? Est-ce que c'était la première fois que tu as refait un score sur la machine, ou c'est quand on t'a appelé, hey, tu peux venir pour la finale? Ah, c'est venir pour la finale, ouais. Mais je m'en doutais, parce que j'avais fait le top score de la journée, donc... Tu t'y attendais un petit peu quand même. Je pense. Les finales, ça s'est fait en 2 contre 2 au début. Puis à la fin, il y avait 2 contre 2, mais il y avait deux équipes qui le faisaient en même temps. Puis à la fin, on a fait vraiment genre 2 contre 2 avec les gens qui étaient là pour regarder qu'est-ce qui se passait. Il y avait des gens qui essayaient de voir c'était quoi tes settings. Ça pouvait être des personnes qui s'étaient fait le milieu de la compétition, ça pouvait être des personnes qui venaient juste pour voir. Est-ce que tu as senti une pression autour de toi quand tu étais en train de compétitionner? Ouais. Alors, comme c'est la première fois, évidemment. Ah, j'en tremblais. Rien que mettre les paramètres mais avec la souris, mais j'en tremblais, c'est juste horrible ça. Est-ce que tu veux mettre un 35 décor? Paf, mince, t'es trop loin. Ça c'est certain. Surtout que sur le décor, vous avez été assez violent quand même. Je dois avouer, là, moi il y a des endroits en mer, je serais même pas monté aussi. Ouais. Non, mais au début j'ai voulu jouer super safe, même lors du loser bracket. J'ai joué safe, j'ai pas fait trop tel le proso. J'étais vraiment safe quand j'ai vu les autres qui mettaient 1-6. Ça trottle des 2 secondes, enfin c'est... Et pourtant ils sortent des bons scores. C'est surtout que sur le long terme, c'est pas assez long de trottle pour impacter.
Fait que t'as été un petit peu plus conservateur, on va dire, que certaines autres personnes. Ouais, exactement. J'ai pas voulu. Je connais, je sais que trop de décor, à un moment, ça peut être une catastrophe. Ben, j'ai touché à quelques paramètres. J'ai notamment touché au cache parce que ça, je connaissais que se rapprocher de la fréquence à moins 200 ou des choses comme ça. Ça, je l'ai fait. Mais ouais, le décor en mollo. Ce que tu as touché, c'est quoi les paramètres que tu as changé pour essayer d'arriver comme ça le plus près possible du gros score? Honnêtement, j'ai fait un peu le bourrin, comme tout le monde. Honnêtement, j'ai mis un cache à 1,38, je crois. Le truc, pour moi, c'est fort. J'ai mis un cache à 45. Puis ça m'a fait gratter le point. Le point qui manquait. Le point. Ouais, pour... Ah, c'est comme quoi, des fois, il ne faut pas chercher loin. Question, puis tu vas le savoir pour les prochaines fois si jamais tu reparticipes à des commissions. Est-ce que tu as touché à la fréquence de la mémoire? J'ai pas eu le temps. C'est vrai qu'en 30 minutes et 15 minutes, c'est assez, c'est assez limité. J'ai vu que la mémoire n'était pas programmée, il n'y avait rien qui était réglé. J'entends des voix. J'ai touché au système avancé d'alimentation, les power, c'est 110, 120, 140, j'ai tout fait, j'ai fait ce que je savais faire. Malheureusement, le proso, il n'a pas kiffé, il était en throttle dès le début, enfin, j'ai dû trop l'alimenter, je pense. Enfin, non, ma mémoire, non, j'y ai pas touché. Pourtant, j'ai vu, hein, mais il n'y a pas eu le temps. Voilà. C'est correct, je veux dire, en 30 minutes, c'est aussi là pour. Tout le monde a à peu près le même lieu, puis t'as vraiment 30 minutes. Fait que, en général, tout le monde va retomber sur à peu près les mêmes affaires que tu dois avoir. Qu'est-ce que t'as pensé de l'accueil que t'as eu aussi bien pour le workshop, pour présenter, même si tu savais déjà? C'était toujours intéressant à revoir. Oui, bien sûr. Non, très, très bon pédagogue. Tout le monde. Ah oh, ouais, non, c'est une de la communauté extraordinaire. Ben, franchement, c'est tout le monde est super sympa, ouvert à la discussion. Enfin, toujours partager des expériences, des choses comme ça. Exactement. C'est vrai que c'est quelque chose qui est. C'est un marché de niche en tant que tel, mais ça reste quand même. L'overclocking, tout le monde en peut en faire. Puis à partir du moment où on a un processeur Intel, et trois quarts du temps, il y a déjà le turbo mode, ça se fait déjà tout seul. Il suffit juste de le faire un peu plus façon propre soi-même. Ouais. Et c'est vrai que la communauté, c'est quelque chose d'important. Là, tu t'es inscrit sur HWBot. J'avais déjà un compte, mais j'ai perdu mes logs, donc j'avais déjà des scores, vite fait des scores, mais j'ai perdu mes logs. T'as dû te réinscrire pour la compétition. Ouais, c'est ça. Et en plus, au début, je m'étais trompé de ligue, apparemment, c'était le bazar, j'étais rendu je sais où. Alors, c'est pour ça que je voyais pas mon score, j'ai dit, mais je suis où, alors que je sais que j'ai fait ça. Ça va être le bordel dans 5 minutes, puisqu'on est en train de dire dans l'annonce micro que le premier qui se pointe au bar gagne un casque. Ils vont tous partir en courant. en parlant de lot à gagner, toi tu as gagné, il me semble que c'est un processeur, un 3258, tu auras une table de bench, tu vas avoir le refroidisseur et tu vas avoir aussi de la lime. Qu'est-ce que tu comptes faire avec ça? Ça, racheter une CM et de la RAM, un IO, parce que je vais pas le laisser en air cooling, je vais essayer de mettre un IO et puis je vais essayer de le monter et voir, bon pas, je vais pas faire le fou là, mais essayer de voir. Tu iras de façon un petit peu moins bourrin avec? Honnêtement, ouais, parce que quand je vois. Un 6, c'est que des gens qui ont mis un 8, mais c'est pas possible. Avec Roman, on rigolait parce que c'est pas possible. On fait ça si vous avez mis un i7 47.7 ou autre chose, mais un 6. Il y a une bonne raison pourquoi c'est des 3258 et pas des gros processeurs. Ça fume direct, quoi. Tu comptes t'en servir juste comme table, comme PC d'accessoires pour bencher à côté? Alors là, honnêtement, pour le moment, je ne sais absolument pas. Je sais absolument pas. Ça va être un souvenir, c'est certain, elle va être montée, je vais piquer une affiche, une GA, un t-shirt et tout, je vais faire un truc sympa. Comment t'as trouvé l'accueil que tu as eu ici? Tu t'es senti vraiment tout de suite intégré? T'as trouvé que c'était très intéressant au niveau de la communauté? Ouais, exactement. On peut aller voir n'importe qui, poser une question directement, on n'est pas... c'est génial comme accueil. Est-ce que tu vas te joindre à une équipe ou est-ce que tu fais déjà partie d'une équipe? Non. Non, je suis. C'est pour le fun, l'overclocking. C'est chez moi dans ma chambre, tranquille, pendant une après-midi pour m'occuper, à essayer de grappiller des réglages. C'est toujours inconnu encore. C'est parfait. Tu sais, il y a beaucoup d'équipes en France. Il y a Cocotteland, il y a Clan, on sait. Ces gens-là, ils ont tous des équipes. Il y en a, ils le font vraiment à des niveaux très extrêmes, mais ils le font aussi pour les nouveaux venus. Il y a la Rookie Rumble, il y a la Ouais. Mais il faut déjà faire des bons scores là déjà. Bah c'est parce qu'il y en a, en faisant partie d'une équipe, tu te fais aider plus facilement. Ouais, bah oui. Mais c'est toujours toi qui dois faire tes scores. D'accord. Il faut des bons scores. Les scores que vous avez fait aujourd'hui sont vraiment bons pour la config que c'est mer. C'est quand même dans le plus haut que la moyenne. Ouais. Les scores sont aussi plus hauts que ceux qui ont été faits en Amérique du Nord. D'accord. On a fait exactement la même compétition il y a un mois. Et c'est déjà plus haut. Ouais. Ah ouais, c'est cool. Ça reste toujours intéressant de voir qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là. Tu vas rentrer chez toi ce soir ou demain en fait, demain, ça dépend quand est-ce que tu vas rentrer chez toi, si tu restes encore jusqu'à demain, etc.
quelle est la première chose que tu vas dire à ta famille ou aux gens que tu vas croiser qui vont demander « Hey, qu'est-ce que tu as fait ce week-end ?» C'est déjà fait. Ah, je les ai appelés. Bon, parce que bon, on me demande toujours des nouvelles, mais ah ouais, ouais, non, mais là, c'est la grande surprise. Hein. Je savais que j'arrivais ici. Enfin, déjà, j'ai posé des questions par Facebook pour savoir comment ça s'inscrivait. Et je suis arrivé ce matin, et puis direct, on a pu s'inscrire. Enfin, c'était. Puis direct, un score, dès le premier coup, hein, simple, tac, le score. Pas le temps de niaiser, c'est parti. Ah ouais, direct. Mais j'avais compris, j'avais vu les heures, j'avais regardé autour de moi, et puis c'était masse Vécor. J'ai dit, bon, mais tant qu'à faire, je sais qu'autour ils vont mettre du Vécor, donc je vais en profiter. Et voilà. Faut pas voir, quand les autres le font, c'est méchant pour Prosso. C'est le jeu. Je dirais, t'en moques un peu, c'est pas le tien, mais quand même. Ouais, non, mais il y a tellement de sécurité. Il y a beaucoup de sécu, mais bon, ça fait. Parce que même avec les sécu, il peut cramer. C'est certain. Ah oui. C'est certain. C'est... Mauvaise expérience déjà. Jamais, j'ai jamais cramé un Prosso. C'est bien, faut toucher du. Bon, on va toucher du plastique là, mais. on va faire avec. On n'a pas de bois sous la main. Non, non, même pas de bois sous la table. Non, y a rien. Comment tu vas expliquer ce que tu as réussi à faire ce week-end à quelqu'un qui ne connaît pas? Quelqu'un qui ne connaît pas. Ah, que j'ai poussé des composants hors de leurs limites, enfin d'usine, quoi, tout simplement. Enfin, c'est comme ça qu'on explique l'overclocking. Hein, c'est le... Ah, on peut l'expliquer c'est... de beaucoup ouais, de ouais, façons. C'est un... ouais, je me doute. Ouais. Bah, j'ai sûr qu'à un processeur, enfin, j'ai augmenté l'horloge de base du processeur. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, quoi, c'est tout simplement ça. Ça va être intéressant. Est-ce que tu comptes regarder le live on va nous avoir un live la semaine prochaine. Ouais. Encore un dans deux semaines. Mais je les regarde de temps en temps. T'étais déjà au courant des lives qui se passaient, etc. Mais je t'avais sur Facebook depuis longtemps. Je suis pas l'air. Moi, j'ai pas donné d'informations. Ah, ah. J'ai donné aucune information. Je n'ai aidé personne dans cette compétition. Ah, ça oui. Restait totalement impartial. Exactement. Ça, non, attends. Après, les gens vont commencer à dire que j'aide les gens, j'aide mes amis, tout ça. Non, ça c'est vrai. Non, c'est vrai. Fait que tout était extrêmement. D'ailleurs, tu n'as pas fini premier, malheureusement. Ah non. Ah. Là, c'est à cause d'un Prosso, c'est tout. C'est à cause du Roxor qui avait. Enfin, le Prosso qui a encaissé vachement bien. Bah, c'était d'ailleurs. Parce c'était même pas le meilleur des meilleurs. En plus, on a retiré le meilleur des meilleurs pour éviter justement d'avoir ce genre de problème. Il a encaissé un 6 avec 5 GHz, c'est énorme. Quand moi à côté, il trottait au bout de 2 secondes à 1,50, c'était perdu d'avance. Je savais, mais bon, c'est pour le fun. C'est important de se rappeler que l'overclocking c'est aussi pour le fun. C'est on peut faire des très gros scores, on peut faire des petits scores aussi. L'important c'est d'avoir du fun avec le matériel qu'on a. Exactement, voilà. Essayer d'obtenir le meilleur de son matos. Le meilleur de soi-même et le meilleur de son matos. Ah oui. Parfait, merci Alexis. Mais je t'en prie. C'était un plaisir de pouvoir avoir cette petite discussion avec toi. Pareillement. Puis on espère que tu repasseras prochainement. Puis on espère que tu vas refaire des nouveaux scores aussi online à l'avenir. Ouais, on verra. Merci. Je t'en prie, bonne soirée.